Allez, bienvenue pour ce débrief d'OM3 1-0 avec un petit but de Lirola. On va pas se mentir, c'était une sacrée purge. Pour parler de ce match, j'accueille Adam. Bonsoir Adam, comment vas-tu? Super Nico, bonsoir Ryan. Bah écoute, une soirée compliquée, une soirée timide, mais les 3 points sont là pour l'OM ce soir. C'est, je pense, le plus important et c'est ce qu'on va retenir. On va en parler juste après, et oui, parce que Ryan est là. Salut Ryan. C'est ça, salut, salut à tous. Je suis à la Real et en même temps, je vais donner mon ressenti sur ce match décevant. Voilà. Oui, ce match très décevant, on peut même dire, on s'en sort plutôt bien. On va parler de tout ça et on va commencer comme d'habitude par les 3 enseignements. Mais avant ça, juste Ryan, qu'est-ce qu'il faut faire quand même pendant cette émission? Ben, c'est pas parce qu'on me voit que ça change. Vous posez quand même des questions dans le chat. Je vais regarder, je vais garder un œil là-dessus. Il y aura peut-être un petit décalage, hein. Je vais pas forcément être tout le temps hyper concentré sur ce que vous racontez si j'essaie de regarder un peu le chat en même temps. Mais ouais, on va réussir à faire tout ça en même temps. Donc mettez ça dans les commentaires. Vous mettez question de points, plutôt dans les chats, pas dans les commentaires. Question de points et je lis ça. Ce sera pour votre débrief à la fin de l'émission. Et n'hésitez pas à liker cette émission. Je suis en Ouais. mode dans mon salon parce que je suis actuellement blessé. Je suis en convalescence. Je me suis fait opérer des croisés. C'est pas une blague. Donc il faut que j'ai la jambe un peu surélevée. C'est pour ça que je suis dans cette position un petit peu canapé. Voilà, c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire les émissions. Il faut bien que Ben se repose et on va commencer tout de suite par les 3 enseignements de ce match. Allez, Adam, je vais te donner la parole en premier. Qu'est-ce que tu retiens? Quel est ton enseignement, toi, sur ce match? L'enseignement principal, ça va être, comme je l'ai évoqué, peut-être l'OM qui revient sur ses concurrents au classement. Je pense que c'est aujourd'hui la chose la plus importante. Troisième, enfin quatrième ex aequo avec Nice, ça permet à cet OM d'y croire encore au podium malgré une baisse notamment de qualité en termes de jeu et des résultats qui n'étaient pas là ces dernières semaines. C'est quand même 3 points qui vont être très importants pour la suite de la saison. Alors, merci Adam de commencer par un truc optimiste parce que je pense que la suite va l'être beaucoup moins. Ryan, quel est ton enseignement de ce match? Bah écoute, moi c'est la bouillotte, voilà, c'est l'enseignement de mon match, ça a changé ma soirée, j'avais très très froid, donc merci à la bouillotte d'exister, parce que je me gelais. Non non, plus sérieusement, c'est toujours en fait je suis désolé, je vais peut-être répéter ce qu'a dit Adam, j'ai pas trop écouté j'avoue, mais c'est surtout les changements tardifs en fait de Sampaoli, voilà. Je sais pas si c'est ce que t'as dit, est-ce que Non, il quelqu'un a dit peut... Ok. le comptable avec les trois Ah oui, points. c'est vrai. Bon, en fait, moi, c'est les changements tardifs de Sampaoli. J'ai vu beaucoup de gens s'agacer, notamment sur les réseaux sociaux, en parlant de tout ça. Mais c'est vrai que ouais, Sampaoli met beaucoup trop de temps à faire des changements. On voit bien que ce système tactique ne fonctionne pas, que les joueurs sur les côtés ont eu un peu de mal, etc. Et pour l'instant, il n'y a eu que dalle, quoi. Donc, du coup, ouais, c'était un peu compliqué. On me signale d'ailleurs que je n'ai pas changé le score, et c'est vrai. Ils ont raison. Donc voilà, je viens de le changer. Désolé, c'était pas 0-0. Une Mais voilà, victoire c'est une victoire quand quand même. même. Mais ça a un peu un goût de match nul ou voire de. Pas forcément de défaite, parce que. Bon, après, je vais pas préchoter le débat. Donc je te laisse continuer et donner ton enseignement. Moi, mon enseignement, je vais être plus négatif, du coup, parce que je pensais que vous alliez en parler, mais je vais en faire deux en un. Le premier, c'est que je comprends de moins en moins les choix de Sampaoli. Je comprends pas son 4-4-2 avec Rongier à droite et Pérez à gauche, sachant que t'as Lirola sur le terrain. Je comprends pas que ce soit lui qui joue pas latéral droit, parce que Rongier, il a quasiment pas joué au milieu, sauf un peu en seconde mi-temps. Donc déjà, de base, je comprends pas ça. Je comprends pas que Dieng soit sur le banc. Il y a des choses que je comprends pas. C'est beaucoup moins entreprenant. Et au-delà des choix des hommes, c'est sur le terrain, quoi. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de prise de risque, ça ronronne, c'est stéréotypé. Elle est où l'équipe de Sampaoli qui prenait des risques et qui prenait des buts? Non mais moi je préfère qu'ils prennent des buts et qu'ils en marquent 3 par match, plutôt que gagner des 1-0 ou faire des 0-0. Donc moi je suis hyper déçu par le manque de mouvement, le manque de technique. Ça s'est un petit peu réveillé pendant 10-15 minutes et c'est parce qu'on est sympa. Mais sinon, tout la première mi-temps et les 20-25 premières minutes de la seconde, c'est juste de la bouillie de football insipide. Donc ouais, j'ai bien envie de retrouver le Sampaoli début de saison, mais est-ce qu'on va le retrouver un jour? Donc c'est beaucoup plus pessimiste. Désolé les gars. Voilà, donc
On va rester là-dessus pour être enseignant, parce qu'on va pouvoir un peu plus développer dans l'analyse à chaud. Et on va passer tout de suite d'ailleurs à l'analyse à chaud, Ryan. On va pouvoir un petit peu plus développer ce que j'étais en train de dire, ou peut-être d'autres choses. Adam, comment tu analyses ce match un peu à chaud? Ça, c'est pas un enseignement, c'est vraiment comment tu as vécu ce match-là. Bah, comme les derniers matchs de l'OM, c'est-à-dire un OM qui, voilà, qui joue avec le frein à main, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons qui repassent par Paulo Lopez. Je pense que Paulo Lopez a dû toucher plus de ballons que beaucoup de joueurs offensifs sur la première période. Voilà, un OM qui ne prend pas trop de risques, un OM qui, même lorsqu'il essaye de ressortir le ballon proprement avec Pape Gueye, bah, ça a été compliqué parce qu'il a été en difficulté en première mi-temps, il a été beaucoup trop lent, il a été averti. Ça a fait que bah, dans les transitions pour ressortir et toucher les attaquants, il n'a pas été en capacité de, voilà, de les toucher, de trouver Payet dans les bons relais. J'ai trouvé une organisation offensive à la limite du ridicule ou inexistante. J'ai l'impression que Milik, dans ce système, on ne sait pas ce qu'il fait, où il doit se placer, comment il doit être capable d'alimenter les joueurs adverses, comment il doit être capable de même finir les actions. Donc ça donne en fait un. J'ai envie de dire quelque chose de non construit. Et c'est quand même problématique parce que plus le temps avance et plus on a l'impression de voir un OM qui ne ressemble de plus en plus à rien. Alors que sur le début de saison, mois d'août, on a des matchs, hein, Montpellier, même Bordeaux sur la première mi-temps, c'est très bon. La deuxième un peu moins, il y a quand même des bons matchs. Et là, ce match-là, il me fait vraiment penser à l'OM Metz où il y a eu 0-0. Sauf que ce soir, bah, Marseille met un but, tout simplement. C'est très, très vide dans le jeu, dans le contenu. Et il n'y a qu'un joueur qui est capable, encore une fois, d'allumer la lumière et de faire que l'OM ce soir prend les 3 points, c'est Payet, parce que ça a été le seul, quasiment l'un des seuls, avec Rongier, si on prend les prestations individuelles, qui ont été, pour ma part, un petit peu au niveau. Et sinon, voilà, c'est très très faible. Même sur les dernières minutes, quand tu gagnes au score, il y a très très peu de sérénité. Les ballons, j'ai vu des dégagements de Guendouzi, même des joueurs qui ont l'habitude de tenir le ballon, des Guendouzi. Des Rongier envoyer des longs parpaings devant parce qu'ils se sont dit que même eux, ils sont pas en capacité, ils ont pas cette confiance pour tenir le ballon. Voilà, c'est très 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 pauvre et j'ai peur que, on en parlait déjà la dernière fois, mais j'ai très peur qu'on ne revoie plus l'OM qui nous enchantait sur ce début de saison. C'est vrai qu'on a un petit peu un OM version Ligue 1. J'ai l'impression que c'est un OM timide qui ose pas trop attaquer. Comme tu dis, hein, c'est vrai que le seul qui peut éclairer le jeu, c'est Payet. Payet, il a eu beaucoup de déchets encore ce soir, mais c'est quand même encore lui qui te fait la différence. C'est lui qui fait la passe D pour Lirola. Il donne deux caviars à Milik Dominique. qui les crame. Il fait même une bonne passe à Gerson en fin de match qui se foire complètement sur le contrôle. C'est-à-dire les quatre actions principales du match pour l'OM. C'est pas, ça vient de Payet. Donc, mis à part Payet qui, par moment, peut éclairer le jeu, quand il touche la balle, les autres, ça ne va pas. Tu vois bien, Konrad, il court, mais il court dans le vide. Milik, il a quasiment aucun ballon et les deux grosses occasions qu'il est censé mettre, il les met pas. Lirola, il y a Cherou qui disait sur Prime, il fait un super match. Je ne suis pas d'accord avec lui. Lirola, il marque un but décisif hyper important, mais il fait pas un super match. Il touche quasiment aucun ballon en première mi-temps. Moi, je trouve vraiment pas intéressant dans ce rôle d'ailier et je comprends pas que Sampaoli s'entête à le voir comme le remplaçant de Hunder. Parce que, à partir du moment où Hunder est pas là, pourquoi tu mets pas Dieng à droite? Mets Dieng à droite, Lirola, mets-le en vrai latéral droit et tu peux même mettre Rongier au milieu de terrain à la place de Gueye parce que Gueye il était complètement bidon. Tu l'as dit en première mi-temps, Gueye c'est une catastrophe. Donc, de ce match-là, tu veux tirer quoi? Tu veux tirer peut-être Payet qui t'allume le match, qui t'ouvre le match avec ce but et à la rigueur, Guendouzi. Par son activité, même s'il a du déchet, au moins c'est un mec qui court et qui propose des solutions. Parce que Adam aussi, ce qui manque, c'est ça, c'est le mouvement. Le porteur de balle, il sait plus quoi faire et c'est hyper lisible. Troyes a pressé et t'arrivais pas à te sortir de ce pressing troyen. C'est ça qui est dingue quand même, non? Ouais, bah c'est Adam, en ce fait, qui était on va le faire assez. tous les deux. Ouais. Ouais, non, non, ce qui était assez fou, c'est que c'est vrai qu'il n'y avait pas la qualité pour ressortir du pressing troyen, notamment en première période. Après, c'est aussi comment dire, c'est aussi les limites de Pape Gueye cette saison. Encore la saison précédente, il avait quand même montré des bonnes choses. Cette saison, j'ai l'impression que voilà, pour sortir d'un pressing, Pape Gueye, ça ne va pas être ton homme clé, ton homme de base devant la défense. Malheureusement, quand tu joues sans Camara. Bah forcément, ça, tu es obligé de jouer avec lui et tu vas perdre notamment en qualité dans cette zone du terrain. Mais c'est vrai qu'aussi, je suis entièrement d'accord sur les ressorties de balles. Il y a très très peu de solutions qui sont proposées. C'est très lisible.
Même par moment, tu es obligé de voir un Payet qui rentre dans le milieu de terrain, qui dézone totalement pour essayer de faire avancer le jeu, essayer de proposer des solutions. Et même, parfois, des fois, il n'est pas servi. Donc, en fait, c'est compliqué. J'ai l'impression que, même par rapport à Milik, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Milik, c'est un neuf qui d'habitude essaye de participer, décrocher au jeu. Là, on voit qu'il touche très peu de ballons. Il n'est pas capable notamment de venir très bas pour alimenter, je ne sais pas moi, pour dézoner, pour permettre d'ouvrir une zone derrière lui. Non, c'est vrai que c'est très très timide et ouais, ça fait peine à voir. Surtout que les différences sur les côtés dans ce système, d'habitude, tu dois en avoir. Là, Under n'est pas là, donc c'est très compliqué. Au moins de quand tu donnes le ballon sur le côté droit et tu n'as plus de 1v1. Conrad, il a essayé de le faire côté gauche. Il y a eu beaucoup de déchets en première période, énormément de déchets malgré tout. Donc voilà, ça donne en fait des joueurs limite qui ne sont pas au niveau. Tu as le coach qui n'est pas au niveau avec une tactique. Ridicule, on peut le dire hein, quand même, hein, entre Galatasaray, on a l'impression qu'ils positionnent tous les joueurs pas à leur poste, et ça fait que c'est problématique, mais tu as aussi des joueurs qui doivent être en capacité de mieux faire, au moins dans l'envie, dans l'intensité, etc. Donc ça donne que ce soir, l'OM prend les 3 points, d'accord, mais il y a, voilà, c'est comme le disait tout à l'heure Ryan, c'est pas le goût d'une défaite, mais je vois pas trois, même si offensivement ils n'ont pas été bons, je vois pas trois ce soir être voilà, baladés, malmenés au point de perdre. Non, c'est ça qui est flippant. C'est comme tu dis, je pense, c'est un mélange de deux choses. Je veux dire, Sampaoli, on l'a quand même bien défendu et moi, je garde encore un peu de l'espoir qu'à un moment donné, ça reparte, même si j'en ai de moins en moins. Mais on peut quand même se poser la question de sa frilosité. Je veux dire, il est parti sur un système avec trois défenseurs centraux et avec un déséquilibre assumé. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec une défense à quatre que plein de gens, enfin pas plein de gens, il y a des gens qui voulaient revenir à un système classique, lisible, avec une défense à quatre. Il nous fait une défense à quatre, mais à gauche, tu as un défenseur central et à droite, tu as milieu de terrain. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça n'aide pas du tout les joueurs. Gerson, il rentre ailier gauche. Donc lui non plus, il ferme pas le couloir gauche. Or que Pérez, il prend des bouillons à ce poste de latéral gauche. Déjà, tactiquement, je comprends pas du tout le placement des joueurs. Et comme tu dis, tu peux pas non plus tout mettre sur le dos du coach parce que même avec ces erreurs-là, pour moi, de placement de joueurs, tu comprends pas le fonctionnement, la technique proposée, les erreurs de passe, techniquement c'est faible, ça bouge pas, on donne pas dans le bon tempo. Il y a un manque de confiance qui a disparu dans cette équipe, qui pour moi est peut-être le plus gros problème. Et c'est peut-être aussi pour ça que Sampaoli, il joue un peu plus frileux, parce qu'il a envie de regagner un peu des matchs pour regagner de la confiance. Et il l'a dit en conférence de presse, il suffit d'une victoire et ça revient, ça repart. Mais bon, il va falloir gagner différemment qu'avec ce petit 1-0 contre 3. Hein. Ça, c'est sûr que tu vas pas t'en sortir comme ça. Est-ce qu'on conclut là-dessus et on donne la parole à nos amis, Ryan? Oui, on peut faire ça si tu veux, pas de problème. J'ai On quand même passe pas mal au de. débrief, à votre débrief. Ah, t'as un Ouais, truc? non, j'ai pas mal de petites questions, mais bon, il y a aussi des déclarations de conférences de presse. Donc on va lancer le jingle votre débrief, mais je vais commencer par la conf Vas-y. parce que c'est assez intéressant. Allez, Jorge Sampaoli qui était en conférence de presse, on a Mourad qui est sur place et qui fait le live tweet. Et qui vient de tweeter justement Sampaoli, qui dit: Si Camara ne joue pas ce soir, c'est une décision purement sportive, puisque l'on jouait jeudi en Turquie, ce qui n'a rien à voir avec son contrat. Non, pardon, ce qui a à voir avec son contrat le concerne lui et les dirigeants. Pardon. Donc voilà, il s'écarte totalement de ce débat par rapport au fait qu'il n'était pas titulaire. Donc c'est vrai que ça a posé beaucoup de questions avant la rencontre. Donc voilà, lui, il dit que c'est sportif parce qu'il a joué face à Galatasaray ce jeudi en Turquie. Moi, je pense pas que ça soit une punition non plus, mais on peut par contre imaginer que ça soit un choix sur le fait que mentalement, il est peut-être moins bien et un peu perturbé par cette situation. Il y a la direction qui lui met la pression pour qu'il tranche. On peut comprendre aussi la direction qui a envie de savoir. Et ça, a priori, ça le perturbe. Il n'a pas voulu faire la conf de presse cette semaine. Je vois pas comment tu peux dire que c'est parce qu'il a joué jeudi. Avant ça, t'as pas joué à Lyon, et avant ça, c'était la trêve. Donc les mecs, ils sont pas cramés non plus, il faut pas exagérer. Et Qu'est-ce que t'en penses, toi, Adam? juste un truc, avant la trêve, il ne joue pas contre Metz en plus, je crois. Ouais. Adam, qu'est-ce que Ouais, tu non, veux? c'est vrai que c'est pour moi, je pense que il y a un mix des deux. C'est-à-dire que quand on prend la situation contractuelle, mais aussi le niveau de Bouba Camara ces derniers temps qui est loin, mais ça doit aussi jouer dans la tête. Ça se reflète aussi, un joueur quand il est bien aussi contractuellement, etc. Il peut être mieux dans sa tête ou pas. Ça dépend aussi des joueurs, mais il est moins bien sur la pelouse, comme on a pu le voir récemment en Turquie.
Voilà, c'est un choix sportif, oui et non. Pour moi, il y a une part de, il y a une part de, il y a une part de sportif et il y a une part aussi de contractuel. Maintenant, à voir aussi, mais c'est vrai que Camara, même sur le terrain ces derniers temps, enfin, son match en Turquie parlait, enfin, ne jouait pas en sa faveur pour commencer à 3 ce soir. Voilà, c'est, je sais, je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. Pour moi, c'est un mix des deux. En tout cas, Gueye n'a pas été convaincant à ce poste-là. Ryan, qu'est-ce que tu as d'autre? Ben justement, c'est par rapport à ça. On me dit Gueye n'a pas vraiment le niveau pour l'OM. Il ralentit trop le jeu. Il fait pas les bonnes décisions, etc. C'est vrai que bon, pendant le match, c'était pas son meilleur match en tout cas. Et moi, j'ai beaucoup pensé, tu vois, on a fait une émission avec Nicolas Uzaï et Mourad, et c'est vrai qu'il nous expliquait pas mal de choses, notamment sur Gerson, au tempo des passes. Donc quand tu as le ballon, le bon moment pour donner le ballon à ton partenaire quand lui fait le déplacement devant toi. Et Gueye, quand j'ai essayé de me concentrer un peu sur ça, c'est vrai qu'il est très très souvent en retard par rapport à ses partenaires en fait. Il prend le ballon, il regarde autour de lui, et il met vraiment trois plombes avant de prendre une décision. Et du coup, le créneau passe un peu devant. Et voilà, soit il perd le ballon, soit il est obligé de rebrousser chemin pour faire une passe en arrière, etc. Donc voilà, c'est vrai que le match de Gueye n'est pas vraiment son meilleur. Voilà, Jiroya13 qui nous dit, ah oui, Gueye 0 sur 10. Bon, peut-être pas jusque-là non plus. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de son match? La question qu'on va se poser, c'est, bon, moi je suis clairement d'accord avec ça, Gueye, il fait un mauvais match, c'est un des pires en première mi-temps. Effectivement, mauvais tempo, mauvais choix, jeu en retrait, perte de balle, mou, attentiste, on peut dire tout ce qu'on veut, il n'a pas été bon. Et je pense que c'est pas son meilleur poste. Alors autant face à Galatasaray, il jouait quasiment ailier gauche, donc c'est clairement pas son poste et il avait une excuse. Là, 6 pur, seul, il peut se débrouiller, mais c'est pas non plus son meilleur poste pour moi. La question, c'est on met qui si Camara n'a pas encore la tête à jouer les prochains matchs. Pour moi, tu as deux noms qui viennent. Je ne mettrai pas Guendouzi parce que son volume de jeu, il est beaucoup plus intéressant d'être libre et d'aller à d'autres endroits. Tu as Gerson. Pourquoi pas essayer Gerson à ce poste-là, même si Gerson, il a toujours ce truc d'être un peu mou, mais peut-être que ça le réveillerait d'être là. Et lui, il peut avoir cette protection de balle. Ou pourquoi pas Rongier. Moi, de voir Rongier latéral droit, parce qu'il s'est quand même cantonné à être latéral droit quasiment tout le match. Mais Lirola latéral droit et Rongier, remets-le vraiment au milieu de terrain. Lui, il a la capacité de mettre de la vitesse, d'accélérer le jeu, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, Adam, de ce choix de milieu de terrain juste devant la défense? Ouais, c'est compliqué pour Gueye de le mettre à ce poste-là, en sentinelle comme ça, pur, avec Guendouzi devant lui, etc. Il doit couvrir beaucoup de terrain et surtout il doit faire quelque chose sur lequel il doit beaucoup progresser, il doit jouer rapidement. Et Gueye, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop il met beaucoup trop de temps à donner le ballon, à le lâcher plus vite et surtout il a souvent des passes latérales, pas des passes qui te permettent d'effacer des joueurs. Alors autant la saison précédente, je lui avais trouvé une capacité à jouer directement devant, une très bonne qualité de passe. Autant depuis le début de saison, c'est très très compliqué de le voir trouver des bonnes lignes de passe, de le voir jouer rapidement. Et pourtant, je pense que c'est là où il pourrait être le meilleur, Gueye. Mais il a aussi une nonchalance aussi qui est affolante à ce poste-là. C'est pour ça que Gerson, moi j'ai peur que mettre Gerson à ce poste-là, alors qu'il n'est pas en confiance, j'ai vraiment peur que ça fasse une Strootman 2.0 entre guillemets. Voilà, dans le profil, un joueur assez lent, qui doit couvrir beaucoup de terrain, etc. Ça va être compliqué. Maintenant, il a la qualité technique pour le faire. Hein. Il a un bon pied gauche, etc. Ça, on est unanime. Mais c'est vrai que même dans sa capacité à jouer rapidement, ce n'est pas non plus son point fort numéro 1 à Gerson. Maintenant, Rongier, je te rejoins entièrement, Nico. En plus, je crois qu'il l'a déjà fait aussi du côté de Nantes. Il a cette capacité à jouer rapidement. Il est assez vif. Il a un gros volume de jeu pour couvrir les zones du milieu de terrain. C'est vrai que Rongier, et surtout offensivement, c'est pas là où il est le meilleur. Donc l'avoir dans cette zone du terrain, ça peut aussi être intéressant pour lui. Donc voilà. Mais maintenant, quand on regarde aussi ses prestations sur le côté droit, bah c'est un peu là où finalement il donne son meilleur rendu, son meilleur visage. Donc c'est compliqué pour Sampaoli de le sortir d'un poste où il est convaincant pour le remettre à un autre poste. Il a quand même cette solidité Rongier depuis qu'il a été remis à ce poste-là, un peu hybride, latéral droit. Dans ce 4-4-2 ou dans cette défense à 3, d'être assez solide, d'être assez juste. Donc, faut que Lirola soit en capacité de remplir au moins cette fonction-là, surtout si l'OM joue de cette manière-là.
Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, Rongier était super convaincant quand c'était vraiment un rôle hybride. Et j'ai l'impression que depuis au moins 2 matchs, il est beaucoup moins hybride. Il est beaucoup plus latéral droit que milieu de terrain. Il est milieu de terrain un dixième du temps. Et je le trouve beaucoup moins intéressant du coup. Je trouve que sa qualité, du coup, elle profite moins au jeu collectif. Il est toujours intéressant, même si première mi-temps, il est nul comme les autres. Deuxième mi-temps, on l'a plus vu, c'était plus intéressant. Mais je trouve qu'il participe pas assez au jeu. Il se contente trop à ce poste de latéral droit, qui est pour moi pas intéressant. Hybride, ça, je trouvais ça intéressant. Là, pour latéral droit, je me pose la question. Allez, Ryan, qu'est-ce que Il tu n'a as pas d'autre? les qualités. Oui, il n'a pas les qualités, oui, pour faire pur latéral droit. Alors, j'ai justement une déclaration de Rongier. Bon, je vais vous épargner le début, mais en gros, il dit que c'était important de prendre les 3 points, etc., vu les autres matchs et tout ça, et que c'était difficile par rapport au contexte avec le stade vide. Mais il dit surtout, le coach nous a dit des choses à la mi-temps, mais vu ce qu'on avait proposé en première période, c'était pas possible d'avoir cette attitude, parce que même dans l'agressivité, on n'y était pas. On avait une belle opportunité ce soir de prendre les 3 points, c'était très important. Donc on ne pouvait pas continuer sur cette lancée. Donc voilà, Rongier qui a parlé au moins de l'agressivité. C'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément au rendez-vous, même dans l'intensité. Et même dans l'attitude, lui, voilà, il dit que c'était pas possible d'avoir cette attitude. C'est vrai que dans l'attitude de certains joueurs, on sentait un peu de. Ouais, c'était un peu lassé. Il y a peut-être Du Guendouzi qui est. dépit, ouais. Ouais, Guendouzi qui était un peu plus, bah, de toute façon, c'est une de ses caractéristiques, mais qui était un peu plus, allez, on y va, on lâche rien, Remuant, mais ouais, voilà, remuant, mais après le reste, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. non, c'est vrai, je comprends cette déclaration. Par contre, j'ai pas vu la réaction au début de seconde mi-temps. Moi, il a fallu attendre 20-25 minutes pour que ça commence un peu à bouger, quoi. La bouée de football, c'est pas que la première mi-temps. C'est trop simple de le réduire comme ça. Je trouve que ça a un petit peu commencé à se réveiller au moment du but. Et après le but, avant de reculer vraiment sur les 5-10 dernières minutes, tu as eu un petit moment où tu as un peu plus construit, tu as un peu plus essayé, etc. Mais sinon, tout le reste, c'est nul, y compris dans l'engagement, etc. Moi, je trouve qu'ils ont mis du temps à réagir, même après la mi-temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Adam? Ah oui, ils ont. C'est quand même pas culotté parce qu'on a quand même vu le match, mais c'est vrai qu'on a vu que même dès l'entame de la seconde période, les choses n'ont pas vraiment changé. Là où ça a un petit peu accéléré, c'est peut-être après l'occasion de Milik, la première qui rate, ou après ça, il y a eu peut-être il y a eu la tête juste après, etc. Mais pendant 20 minutes, c'est vrai que ça a été encore ronronnant. Ils sont restés sur les mêmes bases que la première période, à peu près. Mais voilà, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas eu d'une nette amélioration et que le match, comme ces derniers temps, commence très très souvent à partir de la 70e minute. J'ai l'impression que les 60-65 premières minutes, on se jauge, on fait des passes, etc. C'est très sympa. Et puis ensuite, lorsqu'on sent qu'il y a peut-être un résultat à aller chercher, bah là, on essaye de jouer un peu plus offensif, d'y aller un peu plus vers l'avant. Et ça, c'est problématique parce qu'on a un OM qui n'est pas dans l'action directement dans le début du match, dans un but de faire mal à son adversaire, d'aller pour directement comme on a pu le voir aussi en début de saison. Non, on a un OM qui est ronronnant, qui a du mal. Et puis aussi, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais je pense que le retour de Milik a aussi un impact tactique sur le fait que l'équipe multiplie énormément les passes. Lorsqu'on avait Payet en faux neuf en début de saison, on avait un OM qui jouait beaucoup plus direct, où tu avais Payet qui décrochait, qui libérait des espaces, où ça plongeait dans le dos, que ce soit Guendouzi, que ce soit Under, que ce soit Konrad, comme on avait pu aussi le voir en début de saison. Et l'impression que depuis que Milik est dans l'équipe, bah on a un jeu qui veut s'appuyer peut-être sur les côtés, mais on n'a pas aussi la qualité technique au milieu de terrain pour toucher les côtés. Under n'est pas là. En fait, ça fait que quand on multiplie un peu le tout, on a un Milik qui est beaucoup plus, comment dire, il n'est pas en capacité aujourd'hui de décrocher, de toucher des ballons, d'être propre techniquement, d'être propre dans la surface. L'excuse un petit peu du retour de blessure commence à se faire longue. Et donc, du coup, ça fait qu'on a un OM, tactiquement, j'ai l'impression qu'il n'est pas huilé depuis le retour de Milik. Non, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, ce soir, t'es pas protagoniste vraiment. Tu sors pas du pressing. Et Milik, à la rigueur, ok, il participe pas au jeu, mais il devrait être tueur. Et même là, ce soir, les 2 grosses occasions qu'il a, il les met pas. Ok, le gardien fait des interventions intéressantes, mais je suis désolé, ces 2 buts-là, normalement, lui, il doit les marquer. Et il les marque pas. Donc c'est aussi ça qui fait du mal, c'est que enfin, il a déséquilibré ce déséquilibre. C'est pas mal ça. Mais au-delà de ça, il est là pour tuer les matchs et il ne tue pas les matchs. Et ça, c'est un autre problème. Allez, Ryan, est-ce que tu as une question?
Bah écoute, par rapport justement à Dieng, on dit c'est vrai que c'était un petit peu dommage de ne pas l'avoir vu au début du match. On parle aussi beaucoup de Harit dans le chat, il y a Sofiane notamment, il y a Vitality, Mika, il y a plein de gens qui nous parlent aussi de Harit et qui comprennent pas pourquoi est-ce que ce joueur n'est pas essayé au moins, même en fin de match ou quoi, parce que là c'est Luis Enrique notamment qui rentre. Il n'utilise pas tous ces changements en plus Sampaoli. Donc, ouais, c'est un peu particulier. Les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe avec Amin Harit. On peut parler des deux. Je pense que déjà Dieng, c'est étonnant moi qu'il soit pas titulaire. Je veux dire, quand tu vois l'équipe de l'équipe, t'as pas Under ce soir, mais Dieng, elle est droit. Je comprends pas que tu puisses pas faire ça quoi. Donc ça déjà ça c'est incompréhensible. Quand il rentre, Dieng il a été un peu brouillon ce soir, mais je pense que lui il apporte quand même beaucoup de mouvement et de vitesse d'appel en profondeur que tu n'as pas avec les autres joueurs. Donc Dieng je comprends pas qu'il soit pas titulaire. Lui il mettrait de la vivacité dans le jeu. Et Harit c'est vrai qu'il a fait deux premiers matchs hyper intéressants. C'était même surprenant qu'il tout de suite il rentre dans le collectif, qu'il trouve sa place et qu'il soit assez juste dans le jeu. Par la suite il a été vraiment moins bon, il a été un peu blessé. Et c'est vrai que depuis, j'ai l'impression qu'il fait plus du tout partie des plans de Sampaoli. C'est vrai que ce soir, je ne comprends pas qu'il ne rentre pas à la place de Luis Enrique parce qu'il peut proposer un autre style de jeu. Surtout si tu as Dieng. Dieng et Harit, c'est deux joueurs qui vont bien ensemble. Parce que tu en as un qui va vraiment prendre la profondeur. Et Harit, ça va être un mec qui va plus faire des dribbles, qui va faire des éliminations, qui va te créer quelque chose. Donc c'est vrai que c'est étonnant que Harit soit mis de côté. Après, on sait très bien que Sampaoli, il attend beaucoup de choses d'investissement à l'entraînement. Est-ce que c'est jugé par rapport à ça? Ça, on ne sait pas. Adam, quel est ton avis là-dessus? Ouais, c'est compliqué à Harit. C'est un joueur, comme on a pu le voir, c'est un joueur qui n'a pas eu de continuité en fait. C'est-à-dire qu'il a été ressorti, il a été trop longtemps mis aux oubliettes et c'est compliqué de le ressortir fréquemment. Alors que pour moi, clairement, il a aujourd'hui un coup à jouer dans cette équipe. Moi, tu le mets au milieu de terrain, je sais pas, tu redescends de Guendouzi ou tu redescends de Rongier et que tu le mettes lui un peu plus au milieu de terrain pour être un peu plus créatif. Pour être un peu plus dans la provocation, créer des espaces, etc. C'est un joueur qui peut te faire énormément de bien. Il a aussi une bonne qualité de passe, comme on a pu le voir à Monaco notamment. Il lance très très bien Dieng. Voilà. Si tu le mets sur un côté, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il n'a pas pour moi les qualités. Maintenant, dans le cœur du jeu, au milieu de terrain ou en faux neuf, dans cette position-là, si tu as un Dieng dans les couloirs, il peut être très très intéressant. Et pareil pour Dieng. Dieng, j'essaye de comprendre comment après son match à Galatasaray, alors il y a du déchet. Ça, on est unanime. Mais comment il démarre pas ce soir? Comment il démarre pas? C'est l'un des joueurs qui, par son profil, peut te faire du bien. Surtout que toi, tu as un jeu où tu fais beaucoup de passes, tu les multiplies, tu continues. Et bah, avec un joueur comme Dieng, sur une passe, sur une diagonale, il peut prendre la profondeur et il peut surprendre l'équipe adverse. Et voilà, on a des profils qui sont. Il fait des 11 sans Paoli avec des profils qui sont peu complémentaires. C'est-à-dire, tu commences avec Lirola, tu commences avec Payet, tu commences avec Milik. Alors d'accord, si tu as un milieu de terrain qui est très très bon, qui est en capacité de sortir du pressing et de t'amener dans le dernier tiers, ça peut être intéressant. Si tu arrives à faire des centres sur Milik, etc., comme on a pu le voir le centre de Payet en deuxième période. Mais si tu n'as pas les capacités pour ressortir et casser cette première ligne médiane, autant avoir des joueurs sauter la première ligne en fait. Tu as un joueur, tu fais une transversale, tu trouves Dieng, et ensuite ça part en un contre un ou ça part dans la profondeur. Et en fait, on a un jeu qui est trop trop lisible. Il n'y a pas de variante en fait. Les circuits de passe sont toujours les mêmes. Et des joueurs comme Dieng, des joueurs comme Harit peuvent te permettre de sortir de ce schéma beaucoup trop répétitif. Et non, il reste encore entêté dans ses choix. Et ce soir, je pense que Dieng aurait dû commencer. Et je pense qu'Harit, en deuxième mi-temps, même dès le début de la seconde période, quand je vous dis Harit, c'est pas à l'heure de jeu, c'est dès le début de la seconde période, tu as 0-0, tu as du mal à avoir tes occasions. Bah, mettre Harit, mettre Payet ensemble, bah, peut-être que ça va déjà te créer du mouvement. Ah, c'est vrai. C'est pour ça le manque de collectif, c'est un truc global, mais c'est aussi peut-être par des individualités. Tu peux trouver un second souffle, on verra comment ça va se passer. Par la suite, allez, Ariane, est-ce que tu as une prochaine question? Alors j'ai juste un message, c'est le Joe 13 qui dit Harit, il ne joue pas parce qu'il Harit le foot. Voilà. Merci pour tous ces Très bon, messages. très bon. Voilà, Vaut mieux vous êtes faire des très gentil. blagues. Ben oui, il vaut mieux, il vaut mieux. T'es sûr que c'est pas Constant qui balance ça? Parce Ah que ouais, c'est une c'est vrai. Non, non, vraie. je pense que Constant, il est pas dispo là. Il est au stade, donc non, ça doit pas être lui. Mais je pense qu'il appréciera. Donc c'est une petite dédicace pour lui. Donc ouais, bon, ben voilà, Vitality Mika, du coup, qui a posé plusieurs fois cette question. Ça peut
peut-être un peu élargir à une autre, mais en gros, lui, il propose un autre coach pour l'OM. Est-ce que on peut élargir ça? Lui, il propose Franck Haise, mais on peut aller plus loin et juste se demander, est-ce que vraiment là, ça commence à devenir problématique et on peut considérer que Sampaoli est en mauvaise posture à l'OM? Moi, je veux pas aller aussi loin. Je suis quelqu'un qui était très content. Enfin, j'avais un peu des doutes, mais vu le début de championnat, j'étais très content d'avoir Sampaoli sur le banc de l'OM. Je pense que si on veut déjà penser à le virer maintenant, alors que tu es troisième ex aequo du championnat, même si c'est décevant en Ligue Europa, enfin, c'est décevant comptablement parce que les quatre premiers matchs, ils étaient vraiment de bonne facture. Tu peux pas le virer tout de suite parce que, ok, c'est décevant, tu as perdu ton niveau de jeu du début de saison, mais il faut quand même rappeler que l'effectif, il a été profondément remodelé, qu'il est quand même globalement assez jeune. Ça, c'est une réalité. C'est peut-être pour certains des fausses excuses, mais c'est quand même une réalité. Et j'ai encore envie d'attendre et j'ai encore envie de croire que Sampaoli a les capacités de retrouver un peu de folie, de sortir un peu de ce marasme, ce manque de confiance qu'on voit depuis quelques matchs. Voilà, peut-être que, comme tu disais, Adam, tout à l'heure, l'arrivée de Milik a déséquilibré ce talent offensif qui était intéressant en début de saison. À Sampaoli peut-être de se remettre en question. Je pense qu'il en est capable. Pour l'instant, je trouve que sa remise en question, elle est négative. Passer à 4 derrière avec des faux latéraux, c'est pas bon. Donc, vu qu'il a déjà fait une fois, je pense qu'il peut le faire une deuxième fois, mais peut-être dans un état d'esprit plus conquérant. Peut-être qu'il attend un peu que son équipe elle reprenne de la confiance. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il faut lui laisser encore du temps. Par contre, c'est sûr que selon comment la deuxième partie de saison va se passer, on pourra se poser la question. Là, on peut le critiquer. Ses choix, ils sont assez incroyables sur certains postes, sur certaines gestions de joueurs. Il faut être honnête avec ça. Les résultats sont pas bons, le jeu est moins bon, c'est une réalité. Mais pour autant, je pense que on le répète assez souvent, si on veut que ça marche, c'est quand même un coach ambitieux. Il faut un peu de la patience. Il faut lui laisser construire son équipe et peut-être qu'il va y arriver à un moment donné. On verra bien, mais. Tu peux pas déjà, on est bientôt en décembre, penser à virer Sampaoli parce que sinon tu vas faire quoi? Tu vas prendre qui derrière? Tu vois, Franck Haise, il est en contrat à Lens, il va pas venir à Marseille comme ça. Tu vois, c'est quoi? Tu penses déjà à cet été? Moi, je pense qu'il faut pas aller trop vite. Il faut déjà encore un peu attendre. Tant que tu es bien au classement, il n'y a pas encore le feu et j'espère qu'il va s'appuyer là-dessus pour reprendre un peu de risque dans le jeu. Quel est ton avis, Adam? Ouais, il est critiquable, c'est vrai, il a des torts, il y a des choses qu'on comprend pas, qu'on comprend peu même, mais c'est pas pour autant qu'on doit le remettre totalement en tort et déjà penser à le virer, parce que malgré tout, il a quand même quelques circonstances atténuantes, notamment sur ces derniers matchs. Bon, je vais le reprendre, mais il y a notamment le fait du retour de Milik, où il y a un statut aussi à prendre en compte. Et donc, du coup, tu es obligé de le faire jouer, même si il pénalise un peu dans ton jeu, dans ton allant offensif. Tu as aussi Camara qui est moins bon. Tu as des individualités finalement qui sont moins bonnes aussi. Donc, si les individualités se remettent aussi à un niveau un peu plus haut et sont un peu plus ambitieux sur le terrain, c'est aussi eux les acteurs. C'est-à-dire que Sampaoli, lui, il est là, il est coach, il fait les compositions, etc. Maintenant, rien ne t'empêche sur le terrain, même s'il y a des consignes du coach, si tu sens qu'il y a la place pour aller de l'avant, etc., de le faire. Donc, il y a, pour ma part, tant qu'il est bien au classement, tant que voilà, malgré tout, avec cet effectif remanié, comme tu le disais, il y a quand même des satisfactions, hein, que ce soit Saliba, que ce soit Guendouzi, même Dieng, même s'il joue très peu. Même si tu as aussi quelques déceptions, pour le moment, c'est encore trop tôt pour le remettre en question. Tu es troisième de Ligue 1 ex aequo avec Nice, tu as un match en retard à jouer, tu le gagnes, tu es deuxième. Ça va être non plus. Maintenant, c'est vrai que sur la durée, ça a du mal à te projeter, en fait. Parce que si tu regardes les dynamiques de jeu, si tu regardes un petit peu ce qui se fait aussi en Ligue 1, Rennes, ils sont plutôt dans le bon wagon. Si on compare un petit peu, j'ai l'impression qu'il va falloir compter avec eux. Sur les récentes dynamiques aussi en Ligue 1, tu as aussi Lyon qui est pas mal. Même si, voilà, par moment, tu as aussi l'irrégularité, pardon. Et tu as en fait, tu as Nice, en fait. Nice qui est un peu, entre guillemets, qui ressemble un peu à l'OM ces derniers temps, très fébrile dans le jeu. Il n'y a pas grand-chose. Et voilà, eux, ils ont Gouiri, toi, tu as Payet, et tu arrives à te sortir de quelques situations. Donc voilà, si tu te projettes, finalement, tu te dis que tu as forcément les moyens et tu as forcément la place pour aller en Ligue des Champions cette année. Mais voilà, il ne faudra pas faire n'importe quoi. Donc, autant continuer avec Sampaoli. Ouais, pour l'instant, c'est ça. Et puis, effectivement, Sampaoli, il va peut-être falloir qu'il se remette un peu les idées à l'endroit, qu'il reste de faire jouer les joueurs à des faux postes tout le temps.
Et je pense que les joueurs aussi, il va falloir qu'ils retrouvent un peu d'insouciance et un peu plus de dynamisme dans leur jeu, parce que c'est ça qui a fait aussi le bon début de saison. C'est pas que le système tactique de Sampaoli, c'est aussi parce qu'on avait des joueurs qui faisaient beaucoup d'efforts, qui avaient beaucoup de générosité, qui prenaient plaisir à jouer. Je trouve qu'on a un peu perdu cette générosité et ce plaisir de jouer. C'est surtout ça, je pense, qu'il va falloir retrouver. Allez, Ryan, une prochaine question, s'il te plaît. Ouais, ben on vous demande ce que vous pensez du match d'Alvaro. Parce que c'est vrai qu'Alvaro, ben, c'était une des surprises, on va dire, de ce 11 de Sampaoli. Parce que ben, Tchaïtatsar était disponible, mais bon, il a enchaîné quand même pas mal de rencontres. Balerdi, on pensait peut-être que ça allait être lui qui allait être titulaire aux côtés de Saliba et Luan Perez. Finalement, ça a été Alvaro. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de sa rencontre? Allez, vas-y, Adam. Ouais, bonne rencontre. Franchement, bonne rencontre. On ne va pas dire non plus une rencontre incroyable, exceptionnelle, tant c'était aussi assez fébrile en face du côté troyen. Mais j'ai trouvé très propre, très bon, pardon. Notamment en fin de match, il fait un très très bon retour dans les pieds de l'attaquant troyen. Voilà, sobre dans la relance. Bon, il n'y a pas eu non plus des transversales de 80 mètres, mais bon, ce n'est pas non plus la qualité principale d'Alvaro. Mais voilà, il a été bon dans les transmissions, aurait pu prendre un peu plus de risques parfois, mais très compliqué avec Gueye devant. Et ouais, il a plutôt bien remplacé Caleta-Char. Je l'ai trouvé plutôt bon, très solide dans les duels. Donc voilà, ça a été une bonne surprise. Et ce soir, il fait partie clairement des meilleurs Olympiens, si on doit les citer. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il fait plutôt un bon match et je pense que voilà, 3, c'est exactement le genre d'adversité qui lui correspond. C'est un bon joueur pour jouer en Ligue 1 et t'as pas trop besoin d'avoir un mec qui s'est relancé dans ce genre de match. Par contre, dès que le niveau va s'élever, là, sa relance, ça va tout de suite être beaucoup plus pénalisant. Il en a fait 2-3 plein axe, quand même encore flippante, moi je trouve. Au-delà, si on lui demandait des transversales de 80 mètres, mais c'est juste pas relancer plein axe. Mais par contre, lui, c'est un leader, c'est un mec qui aime le club, qui se bat, qui est dur sur l'homme, qui s'impose. Donc ça, oui, ça c'est important. Dans l'état d'esprit, il est irréprochable. Et ça, c'est important. Donc c'est important de lui donner du temps de jeu dans ce genre de match. Par contre, moi, je reste avec un gros doute sur des niveaux plus élevés. Je pense qu'Alvaro, ça sera un peu plus compliqué sur des matchs de haut niveau face à du Lyon, à du Nice ou à du Rennes. Voilà. Mais Et sinon, puis ce cette défense soir, à... en tout cas, c'était très bien. Et puis cette défense à 4 le stabilise et lui permet aussi d'être un peu mieux. On sait que Alvaro, c'est plus dans. Il a déjà fait ses preuves dans une défense à 4, sous Villas-Boas notamment, où il avait été bon avec Caleta-Char. Là, c'est vrai que ce soir, c'est un peu mieux. Voilà, il y a Saliba à côté de lui aussi qui est aussi là pour rassurer, etc. Donc c'est vrai que c'est plus simple pour lui, on lui en demande un peu moins. Donc voilà, mais sinon, encore une fois, dans l'impact, dans l'état d'esprit, dans le leadership, notamment quand il fallait garder le résultat en fin de match, il a été très bon. Ça, il sait faire, il y a aucun doute. Le seul problème, c'est que côté gauche, il est un peu embêté parce que Luan Perez est complètement largué avec ce poste de latéral gauche, c'est terrible. Allez, Ryan, une Et en prochaine plus, question, s'il te plaît. il l'avait déjà mis à Lille, hein. Luan Perez, latéral gauche, c'est pas une nouveauté. Quasiment les pires matchs de l'OM cette saison, c'est avec Luan Perez latéral gauche, où il laisse des boulevards défensivement ou offensivement. Même si ce soir il a quand même essayé un peu plus de participer, mais voilà. Je comprends pas ce choix de s'entêter à chaque fois avec Luan Perez latéral gauche. C'est incompréhensible. Ben, le truc qu'il y a, c'est qu'il était bon dans ce rôle de libéro hybride latéral gauche, ça pouvait passer, mais pur latéral gauche, là, comme ça a été le cas ce soir, c'est juste pas possible. Allez, Ryan, une prochaine question. Ouais, alors j'ai des petites déclats de Lirola qui est passé en zone mixte et qui raconte notamment son but, en fait, finalement. Il dit bah voilà, au début, quand je contrôle, je veux la passer à Dieng, mais après, le ballon part un peu vers la gauche, donc j'ai décidé d'aller frapper. Et il précise qu'il n'a pas célébré son but parce qu'il était persuadé d'être hors-jeu. Ouais, Voilà. bah, il n'a pas vu qu'il était couvert. En tout C'est cas, c'est ça. vrai que sur le coup, moi, quand j'ai vu le but en direct, j'ai eu peur qu'il soit hors-jeu. Il y avait aussi l'effet d'optique avec l'angle de caméra et le fait que Milik, lui, était hors-jeu. Mais sinon, sur le coup, j'ai dit, putain, s'il marque pas le but, Dieng, il peut être fou parce que 10 fois, il a l'occasion de. Ah ouais. Mais c'est bien, il reconnaît qu'il a foiré sa conduite de balle, parce qu'il est obligé de tirer au lieu de passer. Donc c'est bien, c'est honnête.
C'est ça. Ouais, il y a Adil Rami aussi qui est passé, qui dit que ça lui a fait super plaisir de revenir ici au Vélodrome parce qu'il a toujours des amis. On l'a entendu un petit peu plus tôt dans la semaine parler à L'Est Éclair, un média à Troyes qui parle notamment de l'Estaque. Et il leur a dit notamment que il avait gardé de la rancœur envers une certaine personne dont il ne citera pas le nom. Mais on devine quand même bien que c'est qu'il s'agit de Jacques-Henri Hérault. GHE. Donc voilà, on va l'appeler JHE. On peut parler peut-être un peu de son match d'Adil Rami. J'ai vu quelques messages là-dessus, et notamment quelqu'un qui m'a dit dans le chat sur YouTube que justement Adil Rami, c'était intéressant de l'avoir vu vraiment au marquage individuel sur Payet, parce qu'il l'a quand même bien embêté pendant une bonne grosse heure, on va dire. Après, ça a été un peu plus difficile pour lui, mais pendant une heure, il l'a bien bien tenu. Je pense qu'il s'était dit ce soir, les gars. Payet, c'est moi qui m'en occupe. Pareil, c'est moi qui gère. Je m'en occupe, je connais, je gère. Non, il s'est pas trop, il s'en est pas trop mal sorti. Il était un petit peu à l'arrache sur certaines actions, mais il s'en est pas trop mal sorti. Qu'est-ce que t'en penses, Adam, toi, du match d'Adil Rami? Ouais, il a été plutôt intéressant. Il y a deux trois interventions intéressantes qu'il fait, notamment décisives en première période. Bon, je retiens aussi que sur le centre de Payet pour la tête de Milik, il se fait totalement prendre dans les airs. Et si Milik a un peu plus de justesse, ça finit dedans. Mais oui, non, une bonne copie. Voilà, c'est à son retour au Vélodrome, ça a été assez propre. Voilà, malgré tout, il repart avec la défaite, mais c'est pas forcément la défaite la plus méritée. Elle n'est pas pour lui, je pense. Non, Ça, c'est puis ça laisse pas de regret de qu'il soit pas encore à l'OM, en tout cas, ça c'est sûr. sûr. Allez, Ryan, Non, bien une sûr. prochaine question, s'il te plaît. En tout cas, il a dit qu'il était vraiment parti pour faire une grosse troisième saison. Il avait fait une grosse pré-saison avec l'OM, et puis il s'est passé ce qui s'est passé, mais le temps a fait les choses. Voilà, il a dit ça encore en Ouais, zone il avait mixte. fait une deuxième saison catastrophique aussi, ça, il a peut-être pas dit, mais nous on peut le C'est dire. clair, très C'est très clair. mauvaise. Ouais, c'était vraiment très 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 mauvais. Il était occupé par l'extra-sportif à ce moment-là. Ouais, c'est exactement ça. C'était un peu compliqué pour lui. Écoute, après, j'ai pas forcément d'autres vraies questions. À part peut-être, ouais, allez, on va dire ça. C'est ZN notamment qui nous parle du fait que Under ne soit pas là. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Payet dépendance, mais cette saison, Under, ça a été un des joueurs qui était le plus efficace devant le but, que ce soit au niveau des passes décisives ou des buts. Et Under, voilà, c'est un petit peu compliqué. Voilà, il me dit l'absence de Under, est-ce qu'elle est liée avec l'inefficacité offensive depuis plusieurs matchs? Moi, je pense que c'est un facteur, c'est pas forcément le facteur, c'est un facteur parce que Under, même je crois qu'il faut prononcer, Under c'est quelqu'un qui provoque beaucoup, même s'il a du déchet dans son jeu, et c'est quand même quelqu'un qui globalement est assez juste dans ses prises de balles. Donc souvent, il prend bien le ballon et tout de suite, il fait un peu flipper les défenses. Donc il monopolise beaucoup d'attention et forcément ça crée un peu plus d'espace. Donc c'est pour ça aussi que ça manque, mais je peux pas dire que le fond de jeu aussi médiocre qu'on a eu ce soir, ça soit uniquement en l'absence d'Under, ça serait terrible. Son absence n'aide pas, mais le manque de mouvement global, le manque de tempo dans le jeu, ce n'est pas uniquement l'absence d'Under. Qu'est-ce que t'en penses toi, Adam? Ouais. Non, c'est vrai que on peut juste prendre le match à Clermont où Under est là, c'est lui qui met le but, mais dans le contenu, ça ressemble très fortement à ce qui se fait ce soir à Troyes. Donc c'est un joueur qui, par son positionnement, qui colle la ligne, qui fait énormément de bien parce qu'il ouvre des espaces, notamment au milieu de terrain. Guendouzi peut se projeter. Il attire les défenses, comme tu le dis très bien, et puis il a des variantes dans son jeu. Il centre de loin, il frappe de loin, il est provocateur. C'est vrai que son absence manque au collectif. Maintenant, voilà, si aujourd'hui tu n'es pas capable de ressortir un ballon sous pressing, c'est pas Under qui joue ailier droit qui est problématique. Ça part aussi de derrière, ça part aussi des schémas de passe et aussi des intentions des joueurs dans les zones de jouer vite vers l'avant qui fait que ton jeu est lent. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'Under n'aide pas. Encore une fois, le match à Clermont, tu as Under, ça ressemble très fortement à ce soir. Alors, il te met le but, c'est important. Mais dans le contenu, quand tu regardes le match, t'as pas pléthore d'occasion comme ce soir. Donc voilà, il y a Under est important, mais il n'excuse pas tout. Totalement d'accord avec ça. Donc, Ryan, c'est bon, t'as fait le tour, on est bien. Écoute, comme tu veux, il peut y avoir une dernière petite question. Allez, vas-y, on fait une dernière. Ouais, voilà. Alors, une petite dernière. Tac, 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 je l'ai perdue. Ah oui, c'est par rapport à Gerson. Il me dit, j'ai pas son pseudo, mais on me dit, voilà,
pourquoi, enfin, est-ce qu'on va continuer à fermer les yeux longtemps? C'est ce qu'il nous a dit. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'on ferme les yeux sur le cas de Gerson. Mais qu'est-ce que tu as pensé de sa rentrée, en tout cas, parce qu'il rentre pas très très longtemps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont insulté sur leur canapé, justement sur les deux actions. Vas-y, Adam, je te laisse la main là-dessus. Ouais, c'est très très compliqué. Enfin, on est obligé à chaque fois que je parle de Gerson, j'ai tout le temps le prix qui me revient. Beaucoup de personnes me disent, mais arrête de parler de son prix, c'est pas le prix qui justifie, mais je suis désolé. Même dans le volume, dans les intentions, la passe de Payet, et en fait, c'est parce qu'il n'y croit pas. S'il y croyait déjà un peu plus au départ de l'action, le contrôle, il serait pas aussi mou, le crochet derrière est lent, donc du coup, il peut se faire reprendre le ballon. Mais on ne va pas résumer qu'à ça. Enfin, c'est un tout, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu patience bien avant, mais c'est vrai que là, pour un joueur acheté à ce prix-là, avec son statut, notamment au Brésil, alors d'accord, je veux bien comprendre l'adaptation, toutes ces choses-là, il est brésilien, etc. Mais maintenant, Gerson, c'est son deuxième passage en Europe. Il a fait la Fiorentina, il a fait la Roma, il retourne au Brésil, il a repris de la confiance. Tu arrives à l'OM, on est en novembre, on va être en décembre. Il y a très 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 peu de matchs, il n'y en a que un, j'ai oublié, c'était face à qui. Il y a très peu de matchs référence de Gerson, ou même des entrées de Gerson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'on se dirige vers un Strootman numéro 2. Et voilà, le temps me donnera peut-être tort, mais aujourd'hui, il n'a pas la capacité, l'intensité pour jouer en Ligue 1 et pour jouer à l'OM. Il est d'une nonchalance, mais totale. Même techniquement. Alors, il y a une chose qu'il fait très bien, c'est la protection de balle. Ça, on peut lui tirer chapeau. Mais dans le jeu, dans la vitesse des transmissions, dans les frappes de balle, dans les entrées en jeu, il n'apporte rien. Il n'apporte rien. 25 millions d'euros, il n'apporte rien. Aujourd'hui, on est obligé d'ouvrir les yeux et de se le dire. Gerson, on est à la mi-saison. Il y a un seul bon match de Gerson. Un seul. Le temps que tu fasses ton avis, Nico, je vais peut-être sûrement le retrouver. Mais c'est très très faible. C'est très très faible. Non, je suis Il d'accord a de avec la toi. qualité, hein. Il a de la Non, qualité, non, tu le mais sens, techniquement, il a de la qualité, mais c'est d'une faiblesse, sinon. est-ce que c'est pas une erreur de casting? On peut se poser la question. Sampaoli l'a affronté pendant 2 saisons, parce qu'il était 2 saisons à Flamengo. Et c'est vrai que bon, ce soir, encore une fois, je pense qu'il, comme tu dis, il s'y attend pas. Il n'est pas sur ses appuis, sur ce contrôle. Il perd ses appuis, donc il se rate complètement. Je trouve que s'il y a un truc où j'ai envie de le défendre, c'est qu'il fait beaucoup d'appels en profondeur, il est rarement servi, mais c'est vrai que sinon il est très nonchalant, il est très décevant, c'est pas du tout le niveau qu'on attendait, et je suis d'autant plus déçu que d'une part j'ai l'impression que lui il est pas heureux d'être là déjà, et donc ça c'est un gros problème, et d'autre part j'ai regardé la finale de la Libertadores samedi, où Flamengo a perdu contre Palmeiras, et j'ai un pote qui est fanatique absolu de Flamengo, qui est brésilien, et qui me disait mais si on a Gerson, on la gagne cette finale. Parce que déjà Gerson il fait pas l'erreur que Pereira a fait en fin de match, mais Gerson il donnait le tempo à l'équipe, il faisait plein de, c'était l'âme de ce Flamengo qui a été, vraiment pas été bon dans cette finale de Libertadores. Et ça me quelque part ça me dégoûte encore plus parce que je suis d'accord avec toi, il a coûté un bras, il est pas bon, il manque à son ancien club et à Marseille il sert à rien quoi. Et donc ça ressemble à une énorme erreur de casting. Alors comme tu dis, on a encore du temps, on va quand même attendre la fin de saison pour faire un jugement définitif. Mais là aujourd'hui, fin novembre, on peut dire que pour l'instant c'est un échec. C'est pas forcément un échec définitif, mais. J'ai retrouvé Mais le vas-y. match à Nice. À Nice, contre le 1-1, où il fait l'action, il part sur le côté gauche, il la donne à Payet. C'est peut-être pour moi l'un des matchs où pourtant j'ai repris confiance à Nice. Hein. C'était il y a quelques semaines. Mais derrière, il enchaîne une titularisation derrière où il n'est pas bon, il sort. J'ai plus le nom de l'équipe en tête, mais voilà, c'est trop peu. C'est trop peu. Je vois certaines qualités. Je vois que par moment, il est capable aussi de plonger, d'être en capacité de partir sur le côté gauche, un peu en mode Matuidi, entre guillemets, je caractérise, et se projeter sur le côté pour centrer. Mais voilà, sinon, c'est peu. Et là où je suis le plus déçu, moi, c'est que tu étais en train de me dire que c'est lui qui donnait le tempo de l'équipe. Mais à l'OM, c'est lui qui ralentit le tempo de l'équipe. C'est comme Gueye. C'est-à-dire que quand tu les mets sur la pelouse, il donne le tempo, mais il le donne mal, en fait. Il le donne mal, tu as besoin de vitesse, tu as besoin d'accélérer le jeu. En fait, quand tu compares avec un joueur comme Guendouzi, qui peuvent évoluer plus ou moins au même poste, quand tu regardes la capacité, la vitesse des transmissions,
tu sens tout de suite qu'un joueur qui a joué en première ligue, et tu vois tout de suite un joueur qui a joué au Brésil, en fait. Au Brésil, on a un rythme qui est assez lent. En première ligue, ça va vite. Tu es souvent sous pressing, tu arrives à jouer rapidement, etc. Et bah, en fait, la comparaison tient très très peu entre les deux. Et pourtant, Guendouzi a coûté 2 à 3 fois moins cher, en fait. Il est aussi là le problème. C'est-à-dire que tu es obligé aussi de comparer avec ce qui se fait dans le milieu de terrain, ses concurrents, ceux qui jouent. Et finalement, tu te rends compte qu'il n'est pas encore au niveau. Après, voilà, c'est aussi un joueur qui joue aussi en sélection brésilienne. Donc, je pense que si à Flamengo, ils t'ont dit qu'il était bon, et même moi, pour avoir regardé quelques matchs, ça ressemblait vraiment pas à ce qu'il propose aussi à l'OM. Si au Brésil, il a quand même cette place, alors c'est pas le Brésil 90, je te l'accorde, mais s'il est quand même dans le groupe, alors que tu as quand même des bons joueurs au milieu de terrain, des Paquetá, des Casemiro, etc., c'est qu'aussi quand même, il a de la qualité. C'est un joueur qui a fini meilleur joueur du championnat brésilien, il a une qualité. Mais à l'OM, pour le moment, il ne le démontre pas, en fait. Il est là le problème. Mais c'est Il ne pour le ça que démontre pas. je te dis que c'est pour ça que ça peut être une erreur de casting. C'est non seulement sur cette capacité, comme tu dis, il n'a pas la vitesse, le jeu rapide vers l'avant. En France, tu peux pas avoir le temps de faire 3 touches de balle avant de faire une passe. Il faut que tu ailles plus vite que ça. Et l'autre question qu'on se pose, c'est quel est son vrai poste? Sampaoli, à quel poste il peut le faire jouer? Sûrement pas ailier gauche. Il a fait jouer un peu 8 relayeurs. Pour moi, c'était son meilleur poste, mais même là, il n'a pas été convaincant. Et à quel poste il peut le faire jouer en fait dans cet effectif-là? Et ça, c'est ça qui laisse beaucoup de questions, d'interrogations, quoi. Il n'a pas le profil et on ne sait pas à quel poste il faut le faire jouer. Donc, à 25 barres, ça fait cher l'erreur de Et surtout, casting. c'est rentré. En fait, le problème, c'est que c'est rentré. Sampaoli est obligé de lui donner du temps de jeu. C'est un joueur que tu as payé cher, etc. Et tu as des matchs où tu sens que bah, ce n'est pas Gerson dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de Gerson et il le fait rentrer. Et tu peux te mettre en difficulté, en fait. C'est aussi ça le problème. C'est que tu as un peu le cul entre deux chaises. Tu ne dois pas le perdre. Il a coûté cher. Il a des qualités, mais en même temps, tu es déjà en train de jouer un sprint. Entre guillemets, pas dans le sprint, mais tu es déjà en concurrence dans des matchs importants pour aller accrocher le podium. Donc, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, Gerson, c'est compliqué d'y voir très clair à l'OM. C'est vrai. Est-ce que tu as une dernière question, Ryan, ou on conclut là-dessus? Non, je pense qu'on peut, on peut, on peut s'arrêter là. On a fait quasiment 1 heure, donc c'est bien. Et puis, il faut laisser des choses à dire demain. Pour demain. Alors, Voilà. je vais juste conclure avec ce que tu avais dit en premier, Adam. On va quand même rappeler que l'OM a gagné ce soir. Parce que vu ce qu'on vient de dire, on pourrait presque l'oublier. L'OM a gagné et se replace bien au classement. Parce que l'OM est troisième ex aequo avec Nice, même nombre de points, avec un match à jouer ou pas. Face à Lyon, on verra ça le 8 décembre. Voilà, j'ai envie de vous dire merci, messieurs. Adam, tu es toujours sur les réservistes. Comment ça se passe en ce moment? Bah écoute, on a retrouvé des studios, voyez. Ils sont en phase de travaux, là ça se termine, donc reprise des émissions en studio sur plateau dans un mois. Ok, bon, très bien. Donc Rendez-vous voilà. est pris. Merci, merci Adam, en tout cas, d'être venu. Merci pour Merci à tes vous. analyses. Merci Ryan d'avoir De géré rien, cette émission. pas de Comme souci. d'habitude, au top la voix. Et on vous donne rendez-vous donc demain pour Débat Foot Marseille avec Monsieur Courme. Ryan sera là bien sûr. Moi je ne serai pas là car je suis encore assigné à domicile. Je suis assigné à résidence. Je ne peux pas encore sortir. J'attends le feu vert des médecins, peut-être dans 2 3 semaines. On verra ça. C'est Voilà, donc un peu notre merci à tous. under, quoi. Ouais, moi c'est pas le dos, c'est le genou. Je suis plus le strongman de l'équipe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis rendez-vous demain 17h30 ça. pour Débat Foot Marseille. Merci, ciao ciao. Ciao, ciao.